Nous vous accueillons de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il accueille et aime chacun et chacune comme il et il est. Quel que soit ton âge, ta couleur de peau, ton humeur aujourd'hui, ton état intérieur, tes élans, tes fardeaux. Dieu est là pour toi, ce matin et chaque jour. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous rassemble. Et c'est comme une communauté en chemin qu'il nous accueille ce matin pour ce culte. Amen. Invoquons le Seigneur. Très vite, Seigneur, comme enfant, on apprend à dire merci. Merci quand on reçoit un cadeau, un dessert, une surprise. Et puis c'est un peu comme si, en grandissant, on oubliait souvent de dire merci. On prend la vie comme un dû, comme quelque chose de normal. Alors, ce matin, Seigneur, nous te le demandons, aide-nous à te reconnaître comme celui qui nous offre la vie, le pain, le vent et l'eau. Apprends-nous à dire merci pour la musique et le silence et pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour tout ce qui mène à vivre malgré les difficultés ou les peines. Merci pour ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Oui, Seigneur, Dieu de tout amour, que montent vers toi nos chants de louange et de reconnaissance. Amen. Alors je vous invite précisément à prolonger cette invocation par le chant en prenant dans le recueil à la page 614 pour cet immense bonheur. Nous chantons les strophes 1 et 3. Nous pouvons nous lever pour chanter. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte. Si vous êtes ici en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue particulièrement aussi aux enfants et à leurs familles. Aujourd'hui est un culte ordinaire où nous allons nous réjouir d'être ensemble, chanter, découvrir un texte biblique, prier et même terminer par un apéro. Et en même temps, aujourd'hui est un culte pas tout à fait ordinaire, parce que nous fêtons la fin de l'année de catéchisme pour les différents groupes d'enfants de la région.
Et toute l'année, les enfants ont découvert des histoires bibliques. Ils ont réfléchi, ils ont discuté ensemble. Et maintenant, le caté fait une pause, jusqu'à la rentrée. Pour plusieurs enfants, cette fin d'année est encore plus particulière, puisque c'est la dernière année de l'école primaire, donc c'est au cycle qu'ils seront l'année prochaine, et peut-être au catécycle. Les enfants et les jeunes sont le présent de notre Église, comme les adultes, et nous honorons aujourd'hui spécialement la place qu'ils y occupent. Et ce sont d'abord Damien et Dalila qui vont nous guider dans la prière de louange. Mon Dieu, aide-moi chaque matin à sentir ta présence à mes côtés, à remettre la journée entre tes mains, à accueillir la lumière à l'aube naissante. Aide-moi chaque matin à savoir te dire merci, à me nourrir de ta parole, me laisser guider par ton esprit. Aide-moi chaque matin à te confier ce que j'aime, à prier pour ce que j'aime moins, à bénir ceux qui me font du mal. Aide-moi chaque matin à reconnaître mes erreurs, à recevoir ton pardon, à marcher dans ta paix. Aide-moi chaque matin à prendre le temps de la rencontre, à commencer ma journée avec la confiance que tu es là à mes côtés. Aide-moi chaque matin à tout remettre entre tes mains. Mon Dieu, aide-moi chaque matin, car j'ai besoin de toi. Amen. Et nous voulons chanter encore notre joie et notre reconnaissance avec notre deuxième cantique pour cet immense bonheur. En fait, c'était là qu'il fallait chanter les strophes 1 et 3. Je me suis trompé tout à l'heure. Alors on va chanter quand même les strophes 1 et 3 de ce cantique pour cet immense bonheur. Nous nous levons. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on est plus vite énervé par les gens qui nous ressemblent beaucoup ? On est encore plus agacé par nos voisins qui sont presque comme nous, mais pas tout à fait, que par une personne qui est très différente de nous. Et à l'époque où se passe l'histoire d'aujourd'hui, c'est comme ça entre les Juifs et les Samaritains. Ils se ressemblent beaucoup. Leurs pays sont voisins. Ils mangent de la même façon, ils s'habillent de la même façon, ils chantent, ils travaillent de la même façon. Par contre, ils ne prient pas tout à fait au même endroit ni de la même façon. Les Samaritains pensaient que les Juifs avaient tort et les Juifs pensaient que les Samaritains avaient tout faux. Leurs pays sont imbriqués l'un dans l'autre. On va dérouler une carte pour se rendre compte. Dessus. Pour passer de Jérusalem, qui est en Israël, à Nazareth, qui est aussi en Israël, ou bien pour faire le chemin dans l'autre sens, comme dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est un trajet qu'on fait souvent, eh bien, le chemin le plus direct, c'est de passer par la Samarie. C'est pile entre les deux. Mais, comme on est très énervé de traverser ce pays, eh bien, les Juifs sont capables de faire un immense détour pour ne pas passer par la Samarie, même si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long.
Alors quand un juif de cette époque croisait un samaritain, ben, il y avait entre eux comme un mur invisible, infranchissable. Ni l'un ni l'autre n'avait envie de se parler. Et il faisait comme si l'autre n'existait tout simplement pas. On dit qu'il se méprisait. Et puis, pour comprendre cette histoire, il faut encore vous expliquer autre chose. À cette époque, une maladie était très répandue. C'était la lèpre. C'était une maladie dont les gens avaient très peur. C'était une maladie de peau qui abîmait la peau et qui se voyait. Et il faut vous dire que les lépreux, les personnes atteintes de la lèpre, étaient mises de côté de la société. Elles n'avaient plus le droit de travailler, elles devaient s'éloigner de leur famille, elles devaient s'isoler. On considérait même qu'elles étaient impures. Ça signifiait qu'elles n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple pour s'approcher de Dieu. On considérait que Dieu les avait abandonnées. Et vous savez que la seule façon pour que les lépreux puissent refaire partie de la société et puissent revenir au temple, c'était d'aller se présenter à un endroit spécial à Jérusalem, devant les prêtres, qui devaient décider si oui ou non la personne pouvait de nouveau faire partie de la société. Les gens avaient très peur de cette maladie. Peut-être que les enfants, vous allez pouvoir vous avancer, puis on va vous montrer, peut-être pour essayer de comprendre. Sandrine, tu viens m'aider ? Les enfants, vous venez par ici ? Les grands, vous allez devoir imaginer. Venez voir. Ouais. Vous voyez, on peut imaginer que tous ces petits grains, ce sont des personnes. D'accord ? Et quand un lépreux s'approchait, qu'est-ce que vous voyez ? Attendez. Ah ben les petits, ils n'ont pas vu. Venez les petits. Qu'est-ce qui s'est passé les grands ? Je fais dans l'autre sens. Regardez. On dit que tous les petits grains, on vient la toute petite. Quand les gens étaient tous ensemble, si un lépreux s'approchait, on va dire que ça c'est comme si un lépreux s'approchait. Regardez ce qui se passe. Tout le monde s'éloigne et s'enfuit. Évidemment, ça marche un peu moins bien la deuxième fois. D'accord ? Et les gens faisaient comme ça. Dès qu'un lépreux s'approchait, il partait le plus loin possible. Les lépreux étaient très seuls. Vous pouvez retourner à vos places. Et maintenant que vous savez tout ça, c'est là que nous retrouvons l'histoire d'aujourd'hui. Tu peux rester là si tu veux. Jésus est avec ses disciples. Et justement, comme on vous l'a montré sur la carte tout à l'heure, il aimerait aller de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et Jésus, qui est juif, décide de traverser la Samarie. Les disciples qui sont avec lui ne sont pas très contents, eux sont juifs aussi, et ça ne leur plaît pas tellement. Jésus et ses disciples s'avancent et ils approchent d'un village en Samarie. Lorsqu'ils approchent de ce village, 10 lépreux essayent d'attirer l'attention de Jésus, essayent de s'approcher le plus possible de lui. Il l'interpelle. Merci. Les enfants, vous pouvez venir vous installer devant. Prenez un coussin, c'est vrai. Je m'épose. Même les plus grands, vous pouvez venir. Les petits, les grands, ouais. Ils voient des petits qui ont très très grandi. Voilà, installez-vous. Je vais repartir un peu en arrière. Ça y est ? Nora, tu peux prendre aussi. Voilà. Alors je disais que quand Jésus s'est avancé, s'est approché du village de Samarie, un groupe de 10 lépreux s'est avancé aussi. Ils se sont approchés le plus qu'ils pouvaient de Jésus. Et puis ils essayaient d'attirer son attention. Ils essayaient de faire en sorte que Jésus les entende. Et Jésus, au lieu de s'éloigner et de continuer son chemin, il s'est arrêté. Il les a regardés et il les a écoutés. Et puis, il leur a dit, « Allez,
à Jérusalem. Allez vous présenter devant les prêtres. » Les lépreux n'ont pas posé de questions. Ils ont fait confiance et ils ont pris la route. Ils sont partis à Jérusalem. C'était un long voyage. C'était plusieurs jours de marche. Mais ils ont pris la route quand même. Et pendant qu'ils marchaient, l'un d'eux a remarqué qu'il était guéri. Mais non seulement lui était guéri, mais les autres aussi. Tous les 10 étaient guéris. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller se montrer devant les prêtres et pouvoir montrer qu'ils sont de nouveau purs. Ils vont pouvoir retrouver leur famille, ils vont pouvoir retrouver leurs enfants, ils vont pouvoir retourner là où ils habitent, ils vont pouvoir recommencer à vivre une vie normale. Alors, ils aimeraient se dépêcher. Peut-être qu'on peut se dire qu'ils vont, même en courant, jusqu'à Jérusalem. Alors, ils partent en courant. Ils partent tous en courant. Ah ben non, pas tous. Il y en a un qui s'arrête, qui réfléchit et qui fait marche arrière. Il retourne là où se trouve Jésus. Il aimerait venir remercier Jésus pour cet immense cadeau qu'il leur a fait. Et puis, à travers Jésus, c'est Dieu qu'il remercie. Un Samaritain vient remercier Dieu qui s'est révélé en Jésus, le Juif. Alors, le Samaritain s'agenouille devant Jésus pour le remercier. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, relève-toi. » Et il lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors maintenant, moi, je me demande si quelques-uns ont envie de dire, ou en tout cas chacun, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez le plus aimé. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez aimée dans cette histoire, ou aimée un peu plus ? Est-ce que quelqu'un a envie de le dire ? Quelque chose qu'il a aimé dans cette histoire ? Les enfants qui ont très l'habitude, mais dans un format plus petit. Est-ce que quelqu'un a envie de dire une chose qu'il a aimée de cette histoire ? Dans les adultes ? Oui ? Oui ? Cette part... La réconciliation entre Samaritains et Juifs à travers cette dernière partie de l'histoire. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose qu'il a aimé ? Oui ? Toi, tu as aimé quand celui-là, il est allé vers les autres. Quand Jésus est allé vers les autres, c'est le moment que tu as aimé. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de dire ? Oui ? Celui qui décide de retourner en arrière pour remercier. Vous avez aimé celui qui décide de retourner en arrière pour remercier ? Oui. Quand ils ont été guéris, toi, c'est ton moment préféré.
quand ils ont été guéris. Mais alors je me demande encore autre chose. Je me demande ce que ça change d'aller remercier quelqu'un. Qu'est-ce que ça change d'aller remercier quelqu'un ? Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Ouh, il y a plein de mains, Héloïse. Moi, je pense que Jésus, ça lui a fait plaisir. Toi, tu penses que Jésus, ça lui avait fait plaisir qu'on lui dise merci ? Donc c'est d'avoir de la gratitude pour le geste, donc de reconnaître quelque chose qui vient d'une autre personne, et d'avoir de la gratitude pour ça. D'une autre personne ou d'une autre personne. Ok. Oui ? Donc il faut dire merci à Dieu, il pourrait être content de ça, qu'on lui dise merci. Je ne sais pas si c'est... Ah non, quelqu'un qui se recoiffe, ce n'est pas une main. Oui, là. Donc, seulement, ça fait plaisir, ça va me semble, merci. Mais quand on reconnaît qu'on a reçu un cadeau, on est plus... Donc, en fait, ça fait plaisir à la personne à qui on dit merci, mais nous-mêmes, quand on dit merci, ça nous fait du bien. Merci. Est-ce que les enfants ont envie de dire ? Qu'est-ce que ça fait de dire merci ? Ah oui, vas-y. Oui. J'ai pas entendu. Donc en fait, toi, tu nous dis que merci, c'est gentil et ça fait du bien. C'est poli aussi, et qu'en fait, ça fait du bien à la personne à qui on dit merci. C'est juste ? Oui ? Tu veux ajouter quelque chose ? Non ? Ok, ah, oui. Ah, des fois, on se sent obligé. Ok, il y a des situations dans lesquelles on se sent obligé. Où on nous oblige. Ouf, arg. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient dire quelque chose là-dessus ? Oui. Vous dites que c'est une histoire sur la guérison, mais que la guérison, elle vient aussi de la personne qui dit merci. Merci à vous d'avoir pensé... Oui, tu veux dire autre chose ? Tu dis ça fait du bien à la personne qui dit merci. Quand toi-même tu dis merci, ça fait du bien. Merci. Voilà. Oui, il faut annoncer le chant, je pensais bien, mais je ne l'ai pas par cœur. Je vous annonce qu'on va chanter le chant suivant. Je vous invite à vous lever. Il est dans le feuillet. Et c'est pour tes cadeaux d'amour. Merci de vous lever. Thank you.
En préparant ce culte, on s'est rendu compte qu'on prenait rarement le temps de dire merci, en fait. On avait rarement le temps de s'arrêter, d'être reconnaissant. Et du coup, on s'est dit que c'était un peu bête de ne pas nous offrir et vous offrir un moment ce matin, justement, pour dire merci. En arrivant, vous avez dû prendre un petit papier blanc avec des formes multiples et variées. Et on va vous inviter à prendre un moment pour écrire sur ce papier quelque chose pour lequel vous avez envie de dire merci ou vous êtes reconnaissant ce matin. Donc pour les adultes, vous avez les petits papiers. Ceux qui n'en ont pas pris, on va ramener ceux qui sont encore à l'entrée et venir vous les distribuer. Et puis, j'invite les plus petits des enfants, ceux qui n'ont pas envie d'écrire mais qui ont envie de dessiner, à me rejoindre sur les petites tables de l'éveil à la foi. Et puis, on a prévu des cartons un peu plus grands pour vous et puis plein de stylos. Et on va aussi vous réexpliquer les consignes. Et une fois que vous avez fini d'écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce matin, Amandine vous attendra près de l'arbre qui est là et on va accrocher tous ces petits papiers pour créer un arbre de la reconnaissance. Donc, manifestez-vous si vous n'avez pas de petits papiers. Emmanuel et Amandine les ont. Et les enfants, venez devant avec moi. Juste quelques mots pendant que les enfants terminent aussi. Je vois qu'il y en a qui terminent de dessiner. Pour ceux qui ne savent pas encore écrire, Amandine nous a laissé avec une question. À quoi ça sert de dire merci? Alors peut-être que quand on est enfant, dire merci, ça sert d'abord à ce que vos parents arrêtent de vous dire « dis merci ». Hein? Les enfants, je pense que vous connaissez cette situation et nous les adultes, on l'a connue aussi avant vous. Quand nos enfants nous disaient « dis merci ». Merci. Et puis, quand on grandit peut-être, mais déjà petit, des fois on a des merci qui nous viennent naturellement aussi, des merci... Merci pour un cadeau reçu, merci d'être là, merci d'être venu à mon anniversaire. Ça, on n'a pas trop besoin de se forcer. Et puis, ça change quoi d'avoir dit merci? Alors quand on a dit merci à une super copine ou un super copain qui est venu à un anniversaire, on se sent mieux tous les deux, comme on l'a dit. On se sent heureux d'avoir partagé le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'avoir donné, le plaisir d'avoir reçu. Et puis des fois, c'est vrai, nos parents nous disent de dire merci, ou nous on se dit « ah, ça lui ferait plaisir si je lui disais merci ». Des fois on reçoit un cadeau à Noël que, bon, c'était peut-être pas celui qu'on attendait, mais c'est le geste qui a compté. Et on a envie de dire merci pour ce geste-là. Et puis dire merci, peut-être, ça embellit notre vie comme cet arbre qui au début était tout dépouillé, un peu sombre. Maintenant, il est tout beau. Il est décoré de tous nos merci. Dire merci, ça embellit la vie, ça nous grandit et ça grandit la personne qui reçoit le merci. C'est comme l'arbre, il est arrivé tout grand déjà. Mais peut-être qu'un merci, c'est comme un arbre, c'est tout petit au début, ça se voit presque pas l'effet que ça fait. Et puis quand ça grandit, ça pousse, ça embellit, ça donne du fruit et ça rend la vie plus belle pour nous. Et pour les personnes à qui on dit merci. Ça rend la vie plus belle pour Dieu aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous. Dire merci, recevoir un merci, ça fait plaisir à Jésus et ça fait plaisir à Dieu. Alors on peut s'entraîner de temps en temps à dire merci aux gens qui nous entourent et à Dieu aussi. Et puis, vous avez peut-être remarqué qu'on a choisi presque que des chants qui disent merci. On va chanter le suivant maintenant, c'est le 37-10 à la page 554, « Nos cœurs te rendent grâce ». Et rendre grâce, ça veut dire dire merci. Trois strophes, on me dit. Thank you.
cette histoire des lits lépreux est une histoire absolument... Ah, décidément, ce micro, il est sensible aujourd'hui. J'ai envie de poser comme question, coup de chance ou bénédiction? Parce que finalement, comment comprendre ce qui s'est passé? Quand on gagne au loto, coup de chance ou bénédiction? On aurait tendance à dire coup de chance. Mais une naissance qui se passe bien, une guérison après une lourde opération, coup de chance ou bénédiction? La réponse est déjà plus sensible. Peut-on y voir la main de Dieu? Et l'inverse est encore plus délicat. Un accident, une maladie, un problème dans la vie, malchance ou malédiction? Là encore, pas facile de savoir si l'on peut ou doit y voir l'intervention de Dieu. Comment donc comprendre ce qui nous arrive dans la vie? Nous sentons bien qu'il y a des choses qui se passent qui nous dépassent et sur lesquelles nous n'avons pas vraiment prise. Alors Dieu, dans tout cela, est-il seulement présent, agissant? Personnellement, je veux croire que Dieu veille sur ma vie, que Dieu n'est pas indifférent à ce qui m'arrive, qu'il n'est pas un Dieu distant ou distrait. Mais faut-il pour autant y voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive? Je n'en suis pas certain. Oui, je crois à un Dieu présent, agissant, mais non, je ne crois pas que Dieu pilote ma vie. Ma vie n'est pas sur pilotage automatique. Je dois pouvoir assumer mes choix en responsabilité, même si parfois il y a des choses qui me tombent dessus. Et pour les 10 lépreux, alors, était-ce le jour de chance ou de bénédiction? Ces 10 lépreux sont complètement, on l'a dit, rejetés par tous. Ils sont exclus de la vie. Et quand ils voient Jésus, ils saisissent leur chance. Le démarche, peut-on parler de foi, est évidemment intéressé, mais on peut les comprendre. Il faut bien le reconnaître qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre dans cette histoire. Et le miracle a lieu, ils sont guéris. Alors que 9 d'entre eux s'empressent d'aller se montrer au prêtre, mais ne les taxons pas trop vite d'ingrats, on peut les comprendre. Quoi de plus légitime? Ils vont pouvoir enfin retrouver une vie normale, leur famille, une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Mais pour le Samaritain, c'est différent. Il comprend qu'il y a plus qu'un coup de chance. Il comprend alors que la guérison n'est, entre guillemets, que le signe extérieur d'une rencontre plus profonde qui a bouleversé sa vie. Mais pour le comprendre, il lui a fallu qu'il s'arrête et qu'il regarde en arrière. Être croyant, oui, c'est vivre d'espérance, bien sûr, mais c'est surtout peut-être vivre de reconnaissance. Être croyant, c'est avoir des attentes pour demain, bien sûr. Mais être croyant, c'est aussi savoir relire sa vie, regarder dans sa vie pour discerner les moments où le Seigneur nous a rejoints. Mais vivre de reconnaissance, cela ne veut pas dire tout accepter. La reconnaissance n'est pas un vernis sur nos peines pour les cacher. Il y a de l'incompréhensible dans nos vies et nous avons le droit d'être fâchés devant les souffrances et les difficultés de la vie. Il n'y a qu'à voir les cris des psalmistes qui invective Dieu parfois avec véhémence. Non, il ne s'agit pas de tout accepter sans broncher, mais de déceler, en changeant notre regard, ce qui, dans notre vie, a pu être de l'ordre d'un surcroît de vie, d'un chemin de sens offert par le Seigneur, auquel nous n'avions peut-être pas pris garde sur le moment. La foi permet de vivre le présent avec confiance, d'attendre demain avec espérance, mais la foi est encore plus que cela, ou plutôt préalablement, à toute démarche de foi, il doit y avoir de la reconnaissance. Reconnaissance que Dieu ne nous laisse jamais tomber seuls dans le mystère de l'absurde ou le non-sens de la souffrance, même si beaucoup de questions
demeure souvent sans réponse. La reconnaissance est la condition première à toute démarche de foi. Reconnaître que je suis aimé. Cet amour, parfois, nous pouvons le ressentir dans des moments de grâce. Souvent, nous le découvrons plus tard, quand nous prenons le temps de nous arrêter et de regarder en arrière les signes que Dieu a déposés sur notre route. Cette histoire des 10 lépreux, je la lis aujourd'hui comme une incitation à placer la prière de reconnaissance au cœur de ma démarche de foi. Je le crois. Plus j'apprendrai à dire merci pour tout l'amour dont Dieu nous bénit, plus je trouverai des raisons de dire merci, non seulement dans les jours lumineux, mais également dans les jours les plus sombres. Amen. Et nous entendons maintenant un morceau par Tigrane et de Tigrane. Notre Père, nous voulons d'abord te dire merci pour ta présence dans nos vies, pour ton amour qui nous donne la force d'aimer à notre tour. Merci pour ton amour que nous donnons et l'amour que nous recevons. En ce culte de fin d'année, nous voulons te remercier particulièrement pour les enfants des groupes de caté dans notre région et dans nos églises. Sois à leur côté pour qu'ils et elles déploient toute la beauté et l'amour qui les habite. Nous te remettons tous les adultes qui entourent ces enfants et ces jeunes, parents, catéchètes, enseignants et enseignantes,
animateurs et animatrices, personnel soignant, merci pour leur engagement, renouvelle leur force, leur enthousiasme et leur amour, afin qu'ils soient et elles soient disponibles pour se hisser à la hauteur des enfants. Nous te confions les enfants qui, ici et ailleurs, souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur cœur, à cause de la misère, de la violence subie ou de la mort d'un proche. Entoure-les de ta tendresse, place sur leur chemin des personnes brillantes d'amour pour éclairer leurs pas. Nous te prions pour les personnes qui traversent un deuil ou une maladie. Recueille leurs larmes, leurs pleurs, leurs colères et offre-leur ton sourire, ta confiance et ta bienveillance. Toi qui recueilles toutes nos prières, de ton amour, tu nous as aussi offert une prière pour quand nos mots nous échappent ou nous semblent pauvres. C'est cette prière que nous te disons maintenant. Et pour dire cette prière, tous ensemble, nous vous invitons à vous lever pour dire ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous pas d'entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Vous pouvez rester debout parce qu'on va chanter, et on chante mieux debout. On va chanter « Une flamme en moi ». Le 52-19, je n'ai pas la page, mais vous allez la trouver. Combien ? 860. La page 860. Décidément, on vous aura fait des farces avec les numéros de chant. La page 860, merci Tigrane. Thank you.
Merci de vous asseoir. Alors, je vais rappeler maintenant un petit moment particulier parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est le culte pour la fin du caté et il y a parmi nous des enfants, je suis presque un peu émue en le disant, qui vont arrêter le caté parce qu'elles sont grandes. Je dis « elles » parce que c'est que des filles que vous allez voir là, mais il y a des garçons aussi, je vous rassure, dans le caté. Et elles vont aller vers d'autres lieux, d'autres endroits où, j'espère, elles pourront continuer de faire grandir leur connaissance et leur foi. Alors, je vous appelle Clémence, Maud, Sienna, Héloïse, Émilie. Et je redis, il y a d'autres enfants qui sont concernés par ce moment. Mais voilà les courageuses qui vont oser prendre la parole devant vous ce matin. Parce qu'il faut du courage. Alors, on a préparé un certain nombre de choses en se servant des questions que l'on dit pour les histoires. On a un petit peu un rituel de questions et voilà ce que ça a donné. Il va falloir vous rapprocher des micros quand vous devrez parler, d'accord? Ça va, Clémence et Maud? Il faut peut-être le descendre un peu. Peut-être le descendre un peu, ouais, ouais. T'as raison. Ça va, là, comme ça? Non, c'est Sienna qui commence. Ah, c'est Sienna qui commence. Alors, moi, je me suis demandé, et je vous demande, quel a été votre moment préféré pendant toutes ces années de caté, 4 ans pour certaines? Alors moi, je crois que c'est le repas, quand on est tous à table, parce qu'on partage un moment joyeux, on se raconte nos histoires et on rigole bien. Moi, c'est le festin, ce moment de l'activité où on partage ensemble un encas d'une façon générale, c'est quand on partage un moment ensemble. Moi, c'est un peu comme les deux autres, c'est dès qu'on a un moment ensemble, on parle, on partage nos aventures et on dit ce qui nous est arrivé pendant qu'on n'était pas au caté. Moi, c'est quand on mange et qu'on peut partager notre journée. Moi, j'aime bien quand on racontait les histoires, mais aussi le moment où on entre dans la salle et on s'assied tous. Alors d'accord, les histoires, mais alors, quelle a été ton histoire préférée pendant toutes ces années? Prends le temps de réfléchir, hein, oui. Comme si tu n'avais pas préparé. Moi, je pense que c'est le baptême, parce que j'aime bien les éléments de l'histoire comme l'eau, l'huile, le bébé, etc. Et aussi que, comme j'ai vécu ce moment, c'est un peu comme si j'étais dans l'histoire. Alors moi, c'est les histoires dans le désert, parce que le désert, c'est intrigant, amusant et relaxant. Et je vous prie, ça rime. Alors moi, mon histoire préférée, c'est l'Exode, parce qu'il y a une sorte de pain qui s'appelle le matza dans l'histoire. Alors quand on la mange, c'est comme si on était dans l'histoire. On dit l'histoire, on vit l'histoire, on a peur, on a chaud et on est excité. Et on est aussi finalement soulagé que le peuple arrive à la liberté. La mienne, c'est Noé et sa barque. Même si il n'a pas pris la licorne. Moi, c'est l'histoire de l'homme qui est à moitié mort sur le chemin, puis parce qu'il s'est fait attaquer par des brigands et tout le monde passe à côté de lui. Mais la seule personne qui n'était pas de la même religion, elle s'est arrêtée et elle l'a aidé. C'est l'histoire du bon samaritain. Et je me demande, quelle est la chose la plus importante pour toi pendant toutes ces années catées? Qu'est-ce qui en ressort? C'est que du coup, on en sait plus sur notre religion, pourquoi on est au caté, et on en sait plus aussi sur notre histoire. Alors moi, ça sera les histoires de la Bible, parce que c'est les histoires de notre religion, alors on apprend plus des histoires de notre religion. Les questions qu'on pose après l'histoire, ça permet de voir la globalité de l'histoire, ça remet l'histoire en question, et ça nous permet de donner notre avis sur l'histoire. Quand on écoute les histoires tous ensemble et qu'on répond aux questions et qu'on a l'avis de tout le monde. Ouais, de nouveau, parce que Clément, ça fait... Moi, je me demande ce que t'as apporté le caté de vraiment particulier, quelque chose que tu ne trouves pas ailleurs. Si tu as une mauvaise note le matin et que tu arrives au catéchisme, cela te permet de penser à autre chose, d'être ailleurs. Alors, quand je rentre dans la salle des merveilles, si vous ne savez pas, c'est l'endroit où on raconte les histoires. Quand je rentre, j'ai l'impression qu'il y a une douche de calme. Ça me relaxe tout de suite. Et je l'adore, on est relax, on est calme et on écoute bien les histoires.
on se concentre toujours sur quelque chose de différent qu'on n'a pas l'habitude de penser quand on n'est pas au caté et on change d'atmosphère intérieure. On peut faire des rencontres qu'on ne ferait pas ailleurs. Le fait qu'on partage l'histoire de la religion tous ensemble. Et je me demande si vous pourriez retrouver une phrase d'une des histoires que vous avez aimées. Là aussi, réfléchissez bien. Hein. Le premier jour, Dieu créa la lumière et il vit que cela était bon dans l'histoire de la création. Moïse s'est tellement approché de Dieu et Dieu s'est tellement approché de lui que Moïse a su comment faire pour que le peuple rejoigne la liberté de l'autre côté de la mer. Et c'est l'histoire de l'Exode. Quand le loup arrive, le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et c'est de quelle histoire ? La parabole des bergers. Parabole du bon berger. Maud ? Non ? Et maintenant, je me demande ce que tout ensemble vous aimeriez dire aux personnes qui sont là. Dieu vous protège et vous garde jusqu'à la prochaine fois, la fois où nous nous reverrons. Alors restez là les filles. Parce qu'on a, des petits cadeaux à vous faire. Et moi, je voulais vous dire une chose en particulier avec Amandine et aussi Sandrine et Loïse, parfois, qui vous racontent des histoires. En fait, nous sommes des égoïstes. Parce que les histoires, avant qu'on vous les raconte, elles nous habitent. Les histoires, elles se promènent dans l'air, un peu comme les fleurs du pissenlit. Elles se cognent. Des fois, elles perdent leurs ailes. Et la seule façon de les sauver, c'est de les laisser rentrer en soi. Parce qu'alors, elles nous guérissent de l'intérieur. Et quand elles nous ont guéri de l'intérieur, eh bien, on les libère et on les raconte à d'autres pour qu'elles puissent aussi réparer d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant toutes ces années avec vous. C'est pour ça que je dis qu'on est des égoïstes, parce qu'en fait, on s'est soigné, on s'est aimé avant de vous soigner et de vous aimer. Mais on l'a fait avec tout ce qu'on pouvait vous donner. Alors maintenant, on va vous donner plusieurs choses. Mais en fait, j'invite Arthur à nous rejoindre parce que même si tu n'es pas en UIP, tu dois, pour des raisons de scolarité, quitter le groupe de caté. Donc, je t'invite à nous rejoindre aussi pour cette partie. Alors, on vous propose de choisir. Ça, c'est un petit geste symbolique, c'est-à-dire c'est une bougie spéciale qui est là pour vous rappeler de votre passage avec ces années de caté avec nous, avec toutes ces histoires, et que vous puissiez vous rappeler de toutes ces histoires en l'allumant. Donc, je vous invite à en choisir une, et puis Florence à autre chose ensuite. Et moi, j'ai un paquet un peu symbolique, parce que dedans, il y a un des petits personnages qui nous servent à raconter l'histoire. Il y a des bonbons, parce que le caté, c'est sucré. Il y a une plume pour vous rappeler que les histoires, elles doivent voler. Il y a une colombe, parce que c'est le baptême. Et puis, il y a aussi une petite bougie, moins jolie que celle que Amandine vous a donnée, mais que vous pouvez aussi allumer en même temps. Et finalement, un cœur... attends, je ne sais plus lequel. Non, c'est celle-là que tu peux. Et un cœur que tu peux garder précieusement, comme l'amour qu'on vous porte, nous et ceux qui vous entourent. Émilie, Sienna, Héloïse, Maud, Clémence et Arthur, que Dieu vous garde. Il y a dans la salle des jeunes du catécycle à qui je demande de se lever parce que ce seront ceux-là, allez, je sais qu'il y a Florence, il y a un Gabriel, un Mathis qui... Voilà, ouais, ils essaient de se cacher en fait, j'en oublie. Et il y a Héloïse qui pourrait se lever aussi parce qu'elle accompagne ce groupe avec eux et Sandrine qui pourrait se lever aussi. Donc ça, c'est l'équipe du catécycle. Alors, c'est une petite partie de l'équipe du catécycle, mais qui, en se levant, d'une certaine manière, vous accueille pour vos disponibilités de l'année prochaine à les rejoindre et à continuer à penser sur tout ça. Voilà. Merci. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de ce culte plein d'émotions et merci beaucoup pour ces magnifiques témoignages de l'équipe de Florence. C'est toujours très émouvant.
Alors, simplement quelques petites annonces pour vous dire que dans le dernier chant, ben, vous aurez l'occasion de participer à l'offrande, qu'à la sortie, vous êtes attendu pour l'après-culte qui sera servi dans la salle du foyer. Et comme de toute manière, il fait très mauvais et que vos pique-niques, vous pouvez oublier, je vous invite à nous rejoindre pour le repas, qui est ici pour ceux qui le veulent et le peuvent. Il y a toujours un repas après ces cultes invitation où vous êtes les bienvenus. Pour les autres activités, ben, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans le feuillet. Une petite information particulière, c'est maintenant que nous essayons de constituer le nouveau groupe aussi pour les confirmants. Il y aura une séance permanente d'inscription ce mercredi, ici même. C'est en gros pour les années 2009. Pour ceux qui veulent préparer leur baptême et confirmation, ça peut être 2008 et 2010 aussi. N'hésitez pas à m'en parler. Voilà. Et puis, ben, vous l'avez vu, il y a des enfants au caté. Il y en avait qu'une petite partie ce matin. Mais si jamais il y a des enfants qui ont l'âge du caté, vous êtes bienvenus de venir vers moi, vers Emmanuel, vers Amandine ou vers Florence ou vers Héloïse aussi. Il y a plusieurs groupes d'enfants du primaire. Il y a un groupe d'éveil à la foi pour les plus jeunes. Et puis, il y a le groupe du caté cycle. Et puis, le groupe qu'Emmanuel est en train de constituer pour la suite. Donc, pour tous les âges, il y a de la place, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous ne faites pas encore partie d'un de ces groupes ou si vos enfants ne font pas encore partie d'un de ces groupes. Et puis, dernière petite annonce, il y a la première semaine des vacances scolaires, le centre aéré de l'église des enfants à l'auditoire Calvin, là aussi, si vos enfants sont en gros à l'âge primaire, 3P, 3P6P, 1P6P, je confonds avec le caté, pardon, 1P6P. Bienvenue, là aussi, il y a des flyers à la sortie. Nous nous levons pour chanter le dernier cantique que vous trouvez sur le feuillet, le psaume de la création, pendant lequel l'offrande est recueillie. Nous chanterons les strophes 1 à 3.
quelques mots d'envoi et de bénédiction pour terminer ce culte. Prenons le temps de nous arrêter pour contempler les merveilles de nos vies. Prenons le temps de dire merci pour ces merveilles. Merci à nos proches, à nos amis, à nos parents, à nos enfants, à nos enseignants, nos enseignantes. Prenons le temps de dire merci à Dieu pour tout cela. Bénissons notre Dieu, lui qui nous couronne d'amour et de tendresse, lui qui nous relève à chaque fois que nous tombons. Bénissons notre Dieu aux longues patiences et à l'amour inépuisable. Bénissons-le, nous qui portons sa parole et qui sommes les artisans et artisanes de son espérance. Bénissons-le, nous en qui il a laissé sa trace. Semons des merci autour de nous pour que poussent des arbres de la reconnaissance. Et recevons de la part du Seigneur l'assurance de sa bénédiction. Oui, que l'amour, le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa reconnaissance. Allons dans sa paix. Amen. Thank you.